Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation, et vous oubliez de décoloniser les Kabyles. Les Kabyles sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État. Depuis la naissance de l'Algérie en 62, la Kabylie est sous occupation. Vous leur refusez l'indépendance, vous leur refusez leurs droits les plus élémentaires. En plus, vous mettez une sorte de plan. Et c'est une sorte de prison à ciel ouvert, cette région de l'Algérie. Et vous voulez donner l'indépendance, vous voulez parler de l'autodétermination d'une autre région qui ne vous concerne pas et qui était... Le Sahara a toujours été marocaine. Nous avons parlé du Sahara. Nous vous en déplaise. Le Sahara est marocain et restera marocain. Nous vous en déplaise et vous avez entendu des dizaines de pays qui proclament la marocanité du Sahara, qui proclament leur soutien au processus politique et qui sont en désaccord avec vous. Vous faites du terrorisme intellectuel et vous ne pouvez pas accéder. Soit on est avec l'Algérie, soit on est contre l'Algérie. Mais là, tout le monde est avec le droit international, avec une solution politique négociée et avec le respect. Vous avez parlé des résolutions de la légalité internationale. Vous ne respectez pas la légalité internationale. Vous ne respectez pas le droit international. Vous nous avez imposé une guerre pendant 45 ans. Vous avez figé le Maghreb pendant 35 ans. Vous êtes maintenant en train d'envoyer vos ordres pour essayer de déstabiliser la région pendant ces derniers. Vous les avez poussés à violer le droit, le cessez-le-feu et surtout les accords militaires. Et vous dites que vous n'êtes pas partie prenante. Pourquoi le Comité des droits de l'homme vient de publier aujourd'hui un communiqué sur ce Sahraoui que vous avez enlevé, séquestré, torturé? Il est disparu. Et le comité vous a demandé des éclaircissements et vous réaffirme votre responsabilité en tant que pays hôte des camps. Et ce, en violation de l'article 2 du comité des droits de l'homme du Conseil des droits des Nations Unies. Nous ne sommes pas des Algériens. Malan Wali, ça fait 40 ans, soutenir le Polisario. Sidi Lemun, c'est le Slah. سلفيت صلاة دبلوماسي يون أرسني نين يبواس إدم السلايم لماروك جوست إن سامبل ديكلاراسيون يغلي ديكنا القاعة جانفي دو باسي ان ميساج فراترنيل بور لو بوبل ماروكان لو غوفرنمون ماروكان à travers ce geste vive la Kabylie, vive le Maroc. جمهورية القبائل الحرة المستقلة تبلغ مساحتها المعلن عنها 25 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة تزيد عن مساحة قطر والبحرين معا مرتين، وعن مساحة لبنان مرتين ونصف، وتزيد عن مساحة جمهورية سلوفينيا ضعفين، ويتحدث سكان جمهورية القبائل اللغة الأمازيغية توتليت تقبيليت، وهي اللغة الأصلية للسكان واللغة الرسمية للجمهورية المعلن عنها، ويبلغ عدد سكانها أزيد من 7 ملايين نسمة، وهو نفس عدد سكان ليبيا وضعف عدد سكان النرويج ونيوزيلندا وعمان. وبالنسبة لحدود جمهورية القبائل الأمازيغية من الجنوب والشرق والغرب تحدها الجمهورية الشعبية الجزائرية، فيما يحدها من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط، وهو منفذ بحري هام للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والعالم. ومن أهم مدن جمهورية القبائل الحرة العاصمة تيزي أوزو، وهي أكبر المدن سكانا، ثم بجايا كعاصمة اقتصادية، إضافة إلى مدن بومدراس وبرج بوعريرج وسطيف وجيجل. هكذا تكون جمهورية القبائل قد استوفت كل مقومات الدولة وعناصر تكوينها.